Dans cette vidéo, je voudrais déjà tout d'abord dire un très 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 grand merci à Sébastien, le jardinier au naturel, qui m'a fait une petite pub, on va dire un coup de pouce, et je le remercie parce que voilà, c'est vraiment appréciable et agréable de recevoir des petits compliments comme cela. C'est vrai que ma chaîne n'est pas très grande et que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais voilà, j'ai de la qualité, c'est ce que je lui dis. La qualité est là, malheureusement. J'aimerais bien avoir un peu plus d'interaction avec vous. Moi, j'essaie d'en donner, mais bon, voilà, c'est à vous aussi un peu à faire vivre cette chaîne et à poster des commentaires. Allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. De toute façon, personne ne mange personne, personne ne critique personne, même si vos idées ne sont pas forcément les meilleurs, c'est pas très grave, on est là pour en discuter justement et pour progresser surtout. Moi, je n'ai pas la science infuse, au contraire, ma chaîne s'appelle Le Jardinier Amateur, je suis là justement pour apprendre. Mon objectif est d'avoir fait cette chaîne, c'est l'apprentissage et le partage. Donc, du fait que je fais des erreurs, je vous le montre, je vous montre les erreurs que je peux faire. D'ailleurs, bientôt, il y aura un top 5 de mes pires erreurs de cette année et un top 5 de ce qui a réussi. Voilà, c'est ce que je vous prépare dans les vidéos prochaines pour la fin de l'année. Parce que voilà, il y aura moins de contenu pour le jardin puisqu'il y aura moins à vous montrer. Et donc, je vous prépare quelques petites vidéos comme ça avec mes réussites, mes échecs. Donc, allez-y, n'hésitez pas, même si ce que vous dites n'est pas forcément la vraie... la vérité, ou si vous avez des questions, parce que vous posez des questions, n'hésitez pas à le signaler, on est là pour apprendre, donc faut pas avoir peur, personne ne va se moquer de personne, et donc allez-y, lâchez-vous, faites vivre cette chaîne, c'est la vôtre aussi, hein. Elle est là pour vous apprendre, et bien sûr, on fait ça bien sûr dans le cadre, dans le but de pouvoir tous évoluer vers un potager et un jardin bien plus sain que ce qu'on nous vend dans les magasins. En plus, moi, je fais ça sous forme ludique parce que je fais participer la famille. Il faut savoir que on est de la ville, hein. Ici, je suis en ville. Je suis de la ville de Charleroi. Charleroi, c'est une des plus grandes villes dans la Wallonie, en Belgique. Je suis à, on va dire, même pas 5 km de Charleroi. C'est juste la commune juste à côté de la ville de Charleroi. Et donc, on a chacun des jardins, hein, on a la chance d'avoir des jardins, mais ce sont des jardins assez proches, où tout le monde voit chez tout le monde. Hein. Vous voyez, moi, mon jardin, il est là, mais juste à côté, c'est chez mon voisin, et juste à côté, là où vous voyez maintenant la pelouse, belle pelouse qui a été faite, magnifique, hein, vous voyez, qui sert à rien, un grand terrain comme ça qui va faire juste de la pelouse, c'est chouette, hein, il va devoir jardiner. Tout le week-end, il va devoir tondre, s'amuser à tondre, mais enfin bon, je récupérerai sûrement ces herbes pour moi payer, c'est chouette. On n'a pas des grands champs comme. Autour, on y a des grands jardins où on est isolé. On est tous l'un sur l'autre. Regardez, derrière, chez des maisons, des appartements qui sont vraiment collés. Et donc, on doit un peu faire vivre avec tout le monde. Donc, on n'a pas la chance d'avoir... Moi, j'ai quand même la chance d'avoir un beau jardin par rapport à certains. Donc, à la base, on n'y connaît rien. Cette maison, c'est la maison de mes grands-parents que j'ai rachetée à leur décès. J'en ai décidé... J'avais à bas, c'était juste la maison qui m'intéressait parce que c'est la maison de mon enfance, mais bon, le terrain va avec et il faut entretenir. Je suis pas un jardinier à la base, je connais rien franchement, j'y connais franchement rien. Je fais juste l'effort de suivre des vidéos, beaucoup de vidéos, beaucoup, de tout le monde. Hein. Je visite vraiment tout le monde. Et je prends ce que j'apprends, hein, ce qui est bien ou pas bien, j'en sais rien, mais bon, j'essaye. Les gens qui sont plus sensés. Donc faites la même chose, vous, si vous ne connaissez pas, allez voir les chaînes des copains, hein. Allez voir les chaînes de tout le monde, et faites-vous votre propre avis, faites des tests, de toute façon, vous ne vous perdrez rien à tester tout ça. Hein. Moi, faites des tests, et moi, je fais des tests. L'année prochaine, je ferai encore plus de tests avec vous. Cette année-ci, j'en ai fait beaucoup, on va dire, en secret, c'est pas un secret, mais sans filmer. Mais voilà, faites des tests, allez-y. N'hésitez pas à faire des tests, c'est intéressant, vous allez voir, et vous allez apprendre beaucoup plus de choses comme ça qu'en restant, entre guillemets,
derrière votre écran. À un moment donné, c'est bien derrière son écran, mais après, à un moment donné, il faut faire de vous-même. Vous allez voir et pouvoir apprendre encore plus en faisant, même si vous faites mal, vous allez voir. Je vais vous laisser sur cette vidéo, les amis. Si vous voulez me retrouver, c'est sur le Jeune Amateur, sur les réseaux sociaux. C'est sur Instagram, Facebook et Twitter. Et si vous désirez aussi être tenu au courant, n'oubliez pas d'activer la cloche qui est ici en bas. Et si vous désirez faire des commentaires ou poser des questions, ça se passe dans la barre des commentaires. Les amis, ciao ciao et à bientôt.